Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à la présentation de livres de finances, de comptabilité et de fiscalité. Et justement, mes amis, le livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui est le livre « Droit fiscal » écrit par M. Ahmed Saadoudi et publié aux éditions SHP en 2014. D'accord, donc pour les initiés de la matière fiscale, M. Saadoudi est en réalité très connu dans le milieu pour avoir exercé pendant de longues années comme enseignant à l'Institut d'économie douanière et fiscale, là où j'ai eu l'honneur et le privilège d'assister à certains de ses cours, même si c'était pour une période éphémère. Sinon, nous avons dit, M. Ahmed Saadoudi a été également un cadre supérieur au niveau de la Direction générale des impôts, dans laquelle, bien entendu, il a occupé plusieurs postes en qualité, par exemple, de directeur des études, puis inspecteur général des services fiscaux et directeur général du budget. M. Saadoudi, il faut le noter, a également été administrateur à la Banque mondiale de 2000 à 2002. Sinon, depuis qu'il est à la retraite, il est actuellement installé comme avocat. Donc, mes amis, ce livre que je vous présente aujourd'hui représente un condensé, c'est un concentré de la longue expérience de M. Saadoudi, aussi bien sur le terrain en qualité de cadre supérieur auprès de l'administration fiscale, mais également dans l'enseignement, dans le conseil, etc. D'accord, mes amis, permettez-moi, bien entendu, de vous présenter brièvement ce livre à travers au moins ces grandes parties, parce qu'il serait relativement long de décrire l'ensemble de cet ouvrage à travers ces chapitres et ces sections. Mes amis, ce livre comprend 291 pages, d'accord? Donc c'est un livre très riche et très détaillé. Vous le verrez d'ailleurs à travers la présentation de ces parties. Donc la première partie, mes amis, est consacrée à la classification des impôts, d'accord? Donc à travers cette partie, vous connaîtrez quels sont les différents types d'impôts, comment ils sont classés, selon quels paramètres, quels critères, etc. Puis, deuxième partie, vous verrez, mes amis, détailler les grands principes du droit fiscal, d'accord? L'auteur parle d'abord de la définition du droit fiscal, des principes généraux régissant l'impôt, etc. Puis, troisième partie, mes amis, celle-ci est consacrée à l'établissement de l'impôt. Vous savez, mes amis, avant de recouvrer l'impôt, il faut d'abord l'asseoir, puis le calculer. C'est ce que l'on appelle assiette, n'est-ce pas, liquidation et puis recouvrement. Puis, quatrième partie, mes amis, celle-ci est consacrée aux différents éléments de la fiscalité. L'auteur, ici, nous parle de l'imposition des revenus, des taxes sur le chiffre d'affaires, mais également des autres impôts et taxes, tels que les impôts indirects, les droits de timbre, les droits d'enregistrement, etc. Sinon, nous passerons directement à la cinquième section, mais plutôt la cinquième partie, pardon. Donc la cinquième partie est consacrée au droit fiscal international. Donc c'est un chapitre très intéressant, même s'il est abordé, j'allais dire, dans ses grandes lignes uniquement. Mais ce n'est pas l'objet, en quelque sorte, de cet ouvrage. Puis, la sixième partie de ce livre, mes amis, est consacrée au système fiscal algérien. Voilà la partie la plus prépondérante, la plus importante, tant elle fait appel, si vous voulez, à la description des mécanismes de l'impôt, des différents impôts, etc. Donc, c'est une partie qui s'étend sur pratiquement une centaine de pages, donc de la page 171 jusqu'à la page... pardonnez-moi, donc je vais retrouver ça. Voilà, 264. Donc là se termine la sixième partie et c'est le commencement de la septième et dernière partie également réservée à l'organisation de l'administration fiscale
Donc, M. Saloudi brasse un large tableau des différents services de l'administration fiscale, donc de la Direction générale des impôts à travers ces démembrements. Donc, voilà, mes amis, un livre que je vous conseille vivement et vous recommande parce qu'il s'agit, là, nous avons dit, du concentré, du résumé de l'expérience de l'auteur, aussi bien en qualité de praticien, mais également en qualité d'enseignant, de conseil et d'avocat. Voilà, mes amis, vous me posez assez souvent la question sur les endroits où l'on peut trouver les livres que je vous présente parfois. Donc, les questions relativement me parviennent de partout. Je vous dirai, par exemple, de les rechercher dans les plus grandes librairies de vos départements, donc de vos wilayas. Sinon, si vous ne les trouvez pas, parce que malheureusement, nous avons un petit peu cette tare, parce que la distribution du livre dans notre pays, mes amis, n'est pas suffisamment fluide, elle n'est pas régie selon des normes de manière à les mettre à la disposition de tous les lecteurs de toutes les régions. Sinon, mes amis, je ferai peut-être là une publicité gratuite, mais elle est vraiment bien méritée. Je vous donnerai l'adresse de la librairie du Tiers-Monde qui est située à Alger Centre, dans la place de l'émir Abdelkader. Cette librairie, pourquoi je vous la conseille? Tout simplement parce qu'elle a un taux de rotation de ses stocks suffisamment fluide et suffisamment régulier que même si vous ne trouvez pas votre livre à une date donnée, vous pouvez quand même passer commande, vous pouvez avoir de l'information sur les prochains arrivages. Donc voilà, mes amis, Droit fiscal de M. Ahmed Saloudi aux éditions SHP, paru en 2014. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura également plu. J'espère vous retrouver très prochainement pour vous présenter de nouveaux livres, toujours sur les thèmes de la compta, de la fiscalité et des finances en général. En attendant de vous retrouver, mes amis, je vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir de vous retrouver.